Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Tzav. C'est aussi le Shabbat Agadol, le grand Shabbat, puisque c'est le Shabbat qui précède la fête de Pessah, qui, comme nous le savons, cette année tombe un jour de Shabbat. C'est aussi le Shabbat qui précède la date de la naissance du Rabbi Lubavitch, mardi 11 Nissan, cette année le 27 mars. En 1970, un groupe de dirigeants communautaires est venu voir, rencontrer le rabbi en audience privée et lança la proposition, puisqu'à l'époque, il y avait cette restriction sur les juifs de Russie, de l'ex-URSS, de pouvoir quitter la Russie, de faire une action particulière à l'occasion de le Seder de Pessah et que chaque famille juive rajoute dans sa maison à la table du Seder, une chaise vide pour penser aux Juifs de Russie qui n'ont pas la possibilité de pouvoir célébrer le Seder de Pessah convenablement. Le Rabbi leur répondit comme quoi il est d'accord avec la première partie de la proposition, mais en total désaccord avec la deuxième partie. Lui a l'idée de vouloir penser, agir, faire quelque chose pour les Juifs de Russie, en rajoutant une chaise à la table du Seder. Mais pourquoi cette chaise devrait-elle être une chaise vide? Pourquoi pas une chaise pleine? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons analyser ensemble. Qu'est-ce qui se cache derrière la table du Seder? Derrière les invités que nous avons à la table du Seder. En effet, comme chaque année, le Rabbi avait l'habitude d'envoyer une lettre à tout le peuple juif, partout où il se trouve. Dans une lettre écrite le 11 Nissan, en 1957. Le Rabbi analyse comme quoi, on sait très bien qu'à la table du Seder, nous avons les quatre fils. Celui qui est considéré le pieux, l'intelligent, le mécréant, connu sous le nom du Racha, celui qui est le simple, et celui qui ne veut pas poser de questions. Mais il y a ici un point commun entre ces quatre enfants. C'est que les quatre, peu importe leurs différents niveaux de connaissance, de pratique, d'éducation, d'intelligence, ils sont tous assis à la table du Seder. Chaque année, le Rabbi nous a remarqué comme quoi on a un devoir de s'inquiéter au cinquième fils. Celui qui n'est pas assis à la table du Seder. Celui qui ne sait même pas que c'est Pessah aujourd'hui. Celui qui n'a aucune idée par ignorance, par manque de connaissance ou par manque d'éducation. Parce qu'il n'a pas eu la chance de savoir ou d'apprendre que le peuple juif fête la fête de Pessah, premier soir, pour célébrer la sortie d'Égypte, il y a 3330 ans. Et donc le devoir de chacun d'entre nous, c'est de s'inquiéter à ce cinquième fils. Celui qui n'est pas au courant que ce soir, c'est la fête de Pessah. Celui qui n'est pas au courant, qu'est-ce que ça veut dire? Une table de Seder, un plateau du Seder. Et notre devoir, c'est d'aller chercher ce cinquième fils et l'inviter à remplir la chaise, afin que lui aussi soit au courant, se sente comme s'il fait partie de la famille, fait partie de la cérémonie, qu'il apprenne et qu'il découvre cette merveilleuse fête, cette merveilleuse joie de qu'est-ce que représente la naissance du peuple juif lors de la sortie d'Égypte. On aurait pu demander la question que si ce cinquième fils n'est pas intéressé, il n'a pas appris, ou il ne voulait pas apprendre, pourquoi ce serait mon devoir d'aller le chercher et de l'inviter à la table du Seder? Pourquoi ce serait mon devoir de lui enseigner comment pratiquer la Torah, comment pratiquer les commandements? Apparemment, il a qu'à se débrouiller tout seul comme un grand. S'il aurait voulu apprendre, il aurait pu savoir. Et justement, la réponse, elle est dans le fait que nous parlons de la même famille. Le fait que c'est un enfant, c'est un fils, il fait partie de la famille. Ce n'est pas de sa faute qu'il n'a pas eu la chance de découvrir et d'apprendre jusqu'à présent. Ici, c'est un fils. S'il fait partie de la famille, nous avons le devoir de tout faire pour le réunir avec toute la famille. Alors la question se pose, d'accord, nous allons chercher ce cinquième fils, mais où nous allons le placer à la table du Seder? Peut-être le fait qu'il n'était même pas intéressé de lui-même. Le fait qu'il n'a aucune connaissance, le fait qu'il n'a aucun intérêt, pourquoi le mettre ensemble avec tout le monde? Peut-être l'asseoir d'un côté, peut-être totalement l'ignorer. Ok, on va l'inviter, on va faire l'effort de lui demander de venir, mais pourquoi lui donner une place importante?
via la Haggadah, qu'on va tous réciter le soir de Pessah, vendredi soir et samedi soir en dehors d'Israël. Et on voit comment dans la Haggadah, quand on nous parle des quatre enfants qui sont assis à la table du Seder, le Racha, le Mécréant, n'est pas assis à la fin de la table. Mais bien au contraire, il est assis à côté du Chacham, à côté de l'intelligent, à côté du pieux. Pour nous dire comme quoi, le Chacham, celui qui est pieux, celui qui connaît, celui qui pratique, a le devoir de s'inquiéter à son voisin, de s'inquiéter pour celui qui ne connaît pas, s'inquiéter pour celui qui a ce manque de connaissance, qui n'a pas eu cette chance, et de tout faire pour essayer de le rapprocher, de faire en sorte qu'il fasse partie, qu'il prenne part, qu'il se sente concerné, et qui part finalement pratique la Torah et les Mitzvot. Voilà un merveilleux enseignement que le Rabbi nous donna ce Shabbat en 1970, expliqué dans de nombreuses lettres comme quoi ceci est la meilleure préparation pour la fête de Pessah. Bien sûr que nous devons nous inquiéter pour tous les membres qui côtoient la communauté. Mais nous avons une responsabilité double envers ceux qui, pour l'instant, malheureusement, sont considérés comme un cinquième fils, sans ceux qui n'ont pas encore cette chance de pouvoir participer, pouvoir pratiquer, pouvoir connaître. Grâce à ça, nous mériterons tous ensemble de célébrer cette fête de Pessah à Jérusalem avec la venue du Mashiach. Très bonne journée à tous. Pessah, kasher et sameach, ce soit un Pessah kasher et joyeux. Très bonne préparation et à la semaine prochaine.